Soutenu par divers organismes et particuliers, le Bénin totalise déjà plus de 1,4 milliard de francs CFA de dons en espèces et un important lot d'équipements médicaux dans la lutte contre le Covid-19. Un point de soutien reçu des personnes physiques et morales a été présenté par le gouvernement à la date du 16 avril 2020. Je ne pense pas que les moyens financiers à eux seuls peuvent permettre alors de reculer cette maladie, c'est le Covid-19. Parce que depuis le déclenchement de cette maladie, nous assistons à un retour de l'État-providence dans beaucoup de pays. Vous avez l'élaboration des plans de réponse économique, sociale, humanitaire, quasiment sur tout le continent africain. Et le Bénin aujourd'hui n'échappe pas à cette situation. Le Bénin est quasiment l'un des rares pays africains qui a opté pour le non-confinement. Cela peut se comprendre que le président Talon ait opté pour ce choix. Ils sont donc 56 donateurs à venir en aide au gouvernement béninois. 500 millions de francs CFA du groupe Talon, suivi des structures publiques et privées, telles que la Caisse nationale de sécurité sociale, avec un don de 200 millions de francs CFA, et la nouvelle cimenterie du Bénin, qui boucle avec 100 millions de francs CFA. Ma réalité, le véritable problème en Afrique, à deux niveaux, c'est notamment l'indiscipline des populations et l'incrédulité en réalité. Beaucoup d'Africains estiment que cette maladie, en réalité, est une maladie qui a été imposée par l'Occident. Pourtant, la maladie fait des dégâts. Les États africains doivent plus s'orienter vers la communication. Voilà, sensibiliser les populations, notamment par rapport aux risques qui sont liés à cette maladie. Au-delà notamment des aspects liés à l'aide internationale ou à la solidarité, il faut renforcer les capacités de résilience au plan interne. Selon le ministère des Finances, ce point ne prend pas en compte les dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale.